Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine à venir, la semaine du 10 au 16 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end malgré le drama qu'il s'est passé sur la chaîne et les différents réseaux sociaux. Nous allons d'ailleurs en parler très rapidement, je vous rassure, c'est pas pour vous gonfler avec, c'est juste que j'ai mis un point final à cette histoire et voilà. Et j'ai envie aussi qu'on mette tous un point final à cette histoire, que chacun suive sa route, que chacun reprennent sa normalité et puis basta, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par le blabla que je me prête à dire, même si concrètement ça ne va pas durer 10 minutes, hein, je vous rassure, c'est l'histoire de, allez, je suis sûr que je peux vous le faire en 2 minutes montre en main, c'est parti, top chrono. Donc ce qui s'est, alors oui, donc rendez-vous dans la timeline, hein, pour ceux qui sont pressés pour aller directement sur le tirage, et puis pour ceux qui veulent rester, pas de soucis, écoutez, puisque j'ai pris, je pense, une décision qui s'avère être la plus sage et la plus intelligente à mon sens, puisque j'ai pris la décision de supprimer mon live, même si concrètement vous en êtes témoin, j'ai été très correct dans mon live, hein, ce qui n'est pas du tout le cas de la vidéo dont on m'a fait part, que je n'ai pas regardé, je préfère être honnête avec vous, je l'ai pas regardé parce qu'honnêtement, regarder 10 minutes de torchon d'insanité, ça m'intéresse absolument pas, hein, très concrètement. J'ai eu vos retours, ça me suffit largement et ça m'a déjà bien gonflé, donc... Je veux pas en savoir plus que ça. Et en plus d'avoir fait ça, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à vous savez qui, un SMS, un privé, hein, parce que pour moi cette histoire, elle aurait dû rester privée et ça a pris des proportions qui nous ont échappé en fait tous les deux. Donc j'ai envoyé un SMS très correct de ma part. Le SMS, il est là, je peux vous le montrer, je peux vous le publier. Hein, donc attention à ce qu'on vous racontera en retour parce que le SMS, il est là. Je sais exactement ce qui est écrit dedans. Où je dis tout simplement que cette guerre prend une proportion extraordinaire et qu'il faut stopper cette guerre avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de retours, j'ai eu énormément de captures d'écran, j'ai eu énormément de témoignages, j'ai eu énormément de preuves qui sont tombées entre temps. Et comme j'ai des amis juristes, juges et avocats qui m'ont demandé un petit peu où est-ce que c'en était, hein, parce que ils ont suivi l'affaire de très près. Et là concrètement ils m'ont dit: Jonathan, là tu subis de la calomnie, de la diffamation, de la délation publique et il y a des préjudices moraux. Ça peut aller très loin et il faut que tu portes plainte. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, je l'ai mentionné dans le message en disant que j'avais de quoi porter plainte et que je ne voulais pas en arriver à cet extrême-là, donc le mieux à faire tout de suite, c'est que chacun suive sa route, ce qui est fait, on ne reviendra pas sur le passé, maintenant, basta, terminé, maintenant, les cartes, elles sont entre ses mains, elles sont plus entre les miennes, je peux me regarder dans un miroir, même si je pouvais déjà le faire, et puis voilà. Maintenant, concernant les abonnés, ceux qui veulent partir de la chaîne, partez, vraiment partez, parce que ça fait 3 ans que vous me connaissez, si vous n'êtes pas capable de me faire confiance au bout de 3 ans et de croire la première personne que vous voyez qui vient de sortir il y a un mois, et ben libre à vous, c'est ce que je dis, voilà, tout simplement. Donc on va pas se prendre la tête, vous partez, par contre comptez pas sur moi pour vous dire non, pitié, aime-moi, reviens, reste, non, pars, la porte est ouverte, donc partez ceux qui veulent partir. Je m'en fiche, vraiment je m'en fiche, je vous dis ça sur ton de la rigolade, mais c'est vrai en plus, parce que de toute façon dans des débats, vous avez toujours ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont entre les deux. Donc je m'en fous, mais alors complètement, vraiment, continuez à suivre Abby, continuez à acheter dans sa boutique. Ça, je vous l'ai dit, les produits sont toujours de qualité, je ne changerai pas mon avis là-dessus. Donc je veux pas faire de l'anti-pub, c'est pas du tout c'est pas du tout mon objectif. Donc voilà, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. L'envers du décor, il y a que deux personnes qui la connaissent vraiment, c'est Abby et c'est moi.
vois. Donc c'est pas en s'envoyant des vidéos l'un avec l'autre en disant non, moi j'ai ci, moi j'ai ça, et moi ci, et moi ça. Non, là franchement on atteint un niveau de gaminerie, cours de récréation maternelle, peut-être maternelle sup, voyez, pas tout à fait la maternelle, un petit peu plus sup, entre le CP et la fin de la maternelle, voyez. Donc je veux pas rentrer dans ce genre de délire là, ça m'intéresse absolument pas. J'ai ni la santé, ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de me plonger dans ce genre de conneries, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, moi je mets un terme, j'ai été correct jusqu'au bout, jusque dans mon message quand même, j'ai été correct, alors que pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais appris un truc dimanche matin quand même qui m'a bien gonflé, mais ça en revanche je laisserai pas passer. Je vous en parlerai pas sur la vidéo parce que c'est pas fait pour ça, qu'on soit bien d'accord, mais là j'ai appris un truc qui m'a vraiment, et là par contre j'irai jusqu'au bout, la vérité je vais la savoir et je vais faire le nécessaire par contre, et j'espère juste un truc, c'est que cette vérité ne sera pas ce que j'ai peur d'espérer, voilà. Donc je vous en dis pas mieux, je reste dans le mystère, mais c'est voulu. Ma chaîne n'est pas une chaîne de drama. En plus, ça faisait, franchement, ça faisait ultra, quand même ultra longtemps. Et encore, je crois même que c'est la première fois que je vous fais un drama en fait sur la chaîne. Donc concrètement, voilà, je ne veux pas ça. C'est une chaîne de spiritualité. On parle d'ésotérisme, on parle d'occulte, on parle de fantômes, de sorcellerie, de sorcières, de cartes, de tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est bon, terminé. Donc pour moi, là, à l'heure actuelle, la page est tournée. Je ne reviendrai pas dessus. Je ne pardonnerai pas, hein, qu'on soit bien d'accord, en revanche, je ne pardonnerai pas. Par contre, la page est tournée et moi désormais je pense à vous, je pense à moi, je pense à ma chaîne, hein, c'est moi le boss de ma chaîne. Désolé, j'étais obligé de la faire. C'est moi. Donc voilà, je gère ma chaîne maintenant et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous retrouver, qu'on puisse se faire maintenant des petits trucs en intimité. Surtout que là, ça y est, le 15, je vous l'ai dit, le 15, je vais avoir la fibre. Donc les amis, on va pouvoir se faire des ateliers, on va pouvoir se faire des vidéos, on va pouvoir se faire des lives. Je vais pouvoir vous poster encore plus de vidéos parce que du coup avec la fibre, je vais pouvoir charger mes vidéos super rapidement, ça va être que du bonheur. Voilà, donc moi tout ce qui m'importait c'était vous, c'était moi, et franchement si j'ai une leçon à tirer de toute cette expérience, c'est Jonathan devient égoïste. Voilà, c'est ma réforme 2021, enfin la fin de 2021, c'est ma réforme pour la deuxième partie de 2021, je deviens égoïste, je pense qu'à ma tronche, voilà. Je vais faire ma diva, hein, puisque apparemment c'est ce que je suis, donc je vais faire ma diva, je vais faire mes caprices, c'est moi le boss, hein. Voilà, et je vais faire ça, et puis terminé. Donc maintenant, on n'en parle plus, je ne veux plus non plus de commentaires, je préfère aussi le dire là-dessus, tous les commentaires, hein, puisque là aussi j'ai eu des retours en me disant que je filtrais les commentaires, ça m'a beaucoup fait rire, sachant que pendant les lives on avait nos modérateurs et c'était eux en fait qui filtraient les messages, hein. C'était pas moi concrètement, hein, voilà, ça je préfère aussi le dire, hein. Mais par contre oui, là je vais me mettre à filtrer les commentaires dans le sens où si je vois de nouveaux commentaires concernant Abby, je ne veux pas de délation, je ne veux pas de critique, je ne veux pas d'insultes, je ne veux rien du tout. Là les prochains commentaires que vous mettrez sur la vidéo, c'est par rapport à la guidance que je m'apprête à vous faire, point. Si je vois un commentaire, alors je suis désolé, même si je sais ce que vous pensez, vous êtes nombreux à le penser, je le sais, c'est bon, ça a été dit, on n'en parle plus maintenant, hein, je sais, vous savez, nous savons, ils savent, tout le monde sait. Donc c'est pas la peine de rejeter de l'huile, donc si je vois un nouveau commentaire, je le supprimerai, voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est clair, et voilà. Moi, tout ce qui compte, c'est la chaîne, c'est vous avant tout. Voilà. Bon, allez, maintenant, on passe au tirage. Vous voyez, j'ai fait 7 minutes. Je vous avais dit 2 minutes montre en main. Oui, bah, moi, je vis à l'heure New York. Hein, voilà. À l'heure New York, j'ai fait 2 minutes. Voilà. Bon, je vais vous préparer les jeux parce que, comme vous le voyez, c'est un peu le chantier, là, sur mon bureau. Il y en a absolument de partout. Je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Hein. J'ai envie de dire, on va reprendre les bonnes habitudes, à savoir de vous faire des vidéos à la One Again. Hein. C'est ma signature, et on se retrouve après. Vous, ça va pas vous changer le cours de la vidéo, puisque vous allez découvrir le tirage. D'ailleurs, je vais vous changer d'angle aussi, parce que alors, la semaine dernière, je sais pas ce que j'ai fait, mais alors la guidance que je vous ai faite, mais elle m'a pas plu, mais elle m'a vraiment pas plu, je vous promets. En fait, je crois que j'avais perdu l'habitude de faire des vidéos, puisque je faisais que des lives depuis un mois. J'avais dû paumer le mode d'emploi, donc ce qui fait que je vous ai pas fait l'astrochance, je vous ai rien du tout, je vous ai rien fait de ce que je fais d'habitude. Vous avez passé 45 minutes à voir que ma tronche, à même pas voir les cartes. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, on reprend les bonnes habitudes. Je vais vous basculer dedans pour que vous puissiez voir le tirage. Et on se retrouve tout de suite.
Allez, c'est parti pour notre guidance donc de la semaine à venir du 10 au 16 mai 2021. Je vais vous utiliser plein de petites choses. Du coup, ce sera pour me faire pardonner pour la guidance de la semaine dernière que moi j'ai trouvé nulle. Peut-être que vous l'avez... Moi j'ai trouvé nulle. Me dites pas qu'elle était bien juste pour me faire plaisir. Je l'ai trouvée nulle. Donc du coup, je vais vous proposer plusieurs supports. On va se faire... J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que sur le retour caméra, c'est un peu sombre, non? Je sais pas. Bon, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression, je sais pas, que la luminosité là est un peu sombre. Alors, bah, comme d'habitude, j'ai mes lumières, mais bon, bref, bah, c'est pas grave. Alors, on va utiliser d'abord donc l'œil dans le noir pour faire nos énergies maîtresses. On fera au préalable la petite rune pour définir l'énergie principale de la semaine. On se fera un petit tableau analytique avec le carré fantabuleux. On se fera, je sais pas, une, deux, peut-être trois prédictions avec le rond de cristal. J'avais aussi envie d'utiliser l'oracle Dionysa, je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai prévu une review, review spéciale auto-édition, vous verrez. Je vous en dis pas, je vais pas vous spoiler, c'est la surprise. De mon ami Ange Noir, à qui je fais de gros bisous et vraiment qui mérite beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive. Vraiment, j'en dirai pas plus. On se fera la partie guidance. Guidance amoureuse, on fera donc célibataire et couple avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert et l'oracle de l'harmonie de Aline Savane. On fera aussi les baguettes chinoises parce que je sais que vous adorez ces baguettes chinoises, donc on fera les baguettes chinoises. On fera comme d'habitude une réponse de votre choix avec les pièces de fortune. Et en deuxième partie de vidéo, on fera donc l'astrochance de la semaine à venir. Oui, ça y est, tout revient les amis. Allez, bah, c'est parti tout de suite. Allez, on y va tout d'abord avec nos runes de la semaine. Alors ne vous inquiétez pas, je ferme les yeux, je ne triche pas. Allez, je coupe et c'est parti. Et nous avons Sowiyo qui nous parle d'un bon présage ou succès ou bonne santé. Ah, elle fait plaisir cette carte, non, hein? Franchement, Sowiyo, donc bon présage, succès ou bonne santé. Ce qui voudrait dire que pour cette semaine, les amis, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Alors, soit vous allez vous lancer dans un projet, quelque chose, n'importe quoi, et vous pourriez recevoir une réponse positive ou un signe qui vous permet, eh bien, de vous valider un petit peu votre idée ou votre projet. Ça peut aussi nous parler de succès, donc par conséquent vous allez certainement cette semaine soit récolter les fruits de votre labeur ou avoir un retour positif. Je sais pas pourquoi j'ai le mot retour sur investissement. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, peut-être que ça parlera à certains. Si vous avez investi dans un projet, dans une entreprise, dans quelque chose, il se peut que cette semaine vous ayez un retour sur investissement. Voilà. Ça nous parle aussi de bonne santé, hein, puisque là on a bon présage ou succès ou bonne santé. Donc ça peut être les trois en même temps, ça peut être que deux, ça peut être qu'un seul. Donc du coup, bonne santé, ici ça pourrait nous parler d'une semaine où vous pourriez être plein d'énergie, où vous n'auriez peut-être pas de problème, alors quand je dis pas, c'est un bien grand mot, peut-être que si vous souffrez certaines pathologies, eh bien votre corps va un petit peu vous laisser tranquille, vous allez peut-être passer une semaine pas trop difficile, pas trop pénible, hein. Ça peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle, puisque du coup ça peut coupler avec le succès, donc du coup ça pourrait nous parler d'une bonne nouvelle en lien avec la santé, peut-être que vous attendez des résultats d'examens médicaux, ou que vous allez passer des examens médicaux pour un problème particulier et peut-être que vous allez avoir les résultats qui seraient positifs ou qui seraient moins graves que ce que vous aviez imaginé. Voilà, ça nous parle ici, donc c'est une bonne rune, hein, c'est une rune qui est très positive les amis, donc on va surtout garder ça en tête, hein. Allez, on va se faire maintenant les énergies maîtresses. Allez, c'est parti. Et nous avons la montgolfière, la poupée, le jardin et la boule de cristal. Bien, on a des choses qui sont très intéressantes ici. Tout d'abord, la montgolfière nous parle de mouvement, de bouger. Peut-être que cette semaine va être... Enfin, c'est pas peut-être, je le sens aussi comme ça. Ça va être une semaine où les choses vont bouger, où les choses vont se mettre en place. Peut-être que vous avez prévu soit un emménagement ou un déménagement, ou alors vous avez le projet de partir. En plus, comme je vous disais, bon présage ou succès, vous allez peut-être recevoir une nouvelle par rapport à un déménagement. Hein, si vous avez déposé, je sais pas, un dossier pour un appartement, pour une maison ou autre, il se peut que le dossier soit accepté et que vous ayez un retour qui soit positif sur ce dossier, voyez. En plus, c'est marrant parce que la poupée, excusez-moi, j'ai pas fini avec cette carte, mais c'est juste que la poupée, je vois le lien avec la bonne santé. Je vois effectivement ici soit la fin d'une manipulation ou quelque chose
qui vous faisait du mal, quelque chose vraiment qui touchait votre corps, où votre santé était touchée, votre santé était impliquée. Donc là, il pourrait y avoir enfin un soulagement ou quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une forme d'emprise, hein, puisque la poupée, c'est la poupée vaudou, hein, très clairement. Donc là, ça pourrait nous parler, ça pourrait aussi nous parler de quelqu'un qui travaille sur vous, hein, en termes de magie, etc. Ça peut effectivement être un mauvais présage, dans le sens que il y a quelqu'un qui travaille sur vous. Mais j'ai envie de dire, comme on a une belle rune ici, ça vient compenser cette carte-là. C'est-à-dire que pour moi, je le vois plutôt comme la fin d'une emprise, la fin de quelque chose, la fin d'un calvaire, la fin d'une manipulation. C'est le mot que j'avais, ou d'un travail énergétique qui était réalisé sur vous. Après, la poupée peut aussi représenter la manipulation dans le sens large du spectre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un pantin, vous allez être de nouveau libre de vos actions et de vos mouvements. Surtout qu'on a la montgolfière qui est à côté, vous voyez. Donc on a cet aspect à la fois d'être figé, mais d'être débarrassé de ses liens, de ne plus être un pantin, pour de nouveau être libre de pouvoir voyager, s'élever et aller où est-ce qu'on veut. Pour cette semaine, on a aussi le jardin. Alors le jardin, comme vous pouvez le voir, la carte du labyrinthe, elle pourrait vous faire peur, parce que ça pourrait effectivement signifier soit le sentiment d'être perdu, d'être égaré, de ne pas savoir où aller. Alors oui, effectivement, si les énergies sont amenées à bouger, et ça va bouger, pourquoi ? Parce que on arrive à la fin de ce confinement, hein, puisque le 19, on va pouvoir, une grosse partie de certaines choses vont pouvoir réouvrir, donc on va à nouveau, entre guillemets, pouvoir revivre à peu près, je dis bien vraiment à peu près normalement, hein. Et il se peut que cette semaine, du coup, il y ait beaucoup de choses à faire, il y ait beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à préparer. Alors bien sûr, je parle pas pour nos amis étrangers, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire comment ça se passe chez vous, hein. Moi, je suis toujours curieux de savoir comment ça se passe aussi chez les autres. Qu'on salue d'ailleurs nos amis étrangers, hein, parce que nous n'avons pas que des abonnés francophones, non, nous sommes regardés de partout, les amis, au Canada, au Québec, en Martinique, dans les pays du Maghreb, vraiment partout. Donc on fait des bisous à tout le monde, hein, l'œil dans le noir est international, nous sommes une secte internationale. Non, je précise, on n'est pas une secte, hein, mais c'est, voilà, vous avez bien compris, c'est juste pour donner de l'eau au moulin, pour ceux qui croiraient qu'on est une secte. Donc voilà, ça pourrait avoir ici un sentiment d'être perdu, du fait que vous avez peut-être tellement de choses, et ça, c'est étrange, parce que ça me parle beaucoup. Parce qu'effectivement, la semaine qui s'amorce, là, pour moi, j'ai tellement de choses à faire que je sais même pas par où commencer. Donc ça pourrait être ça, ce sentiment d'être perdu. Peut-être que vous aussi, vous avez plein de choses à préparer et vous savez pas par où commencer, en fait. Ben, j'ai envie de vous dire, commencez par le début. Ça paraît bête à dire, je sais, mais quand on sait pas par où commencer, ben on commence par un truc, n'importe lequel, hein, la première idée, la première chose qui nous tombe dessus, on commence par ça, et puis après, ben, les choses s'enchaînent, et puis on voit où est-ce que ça nous mène, tout simplement. Et c'est le principe d'un labyrinthe. Un labyrinthe, lorsque vous rentrez à l'intérieur de celui-ci, ben vous savez pas à droite, à gauche ou tout droit. Eh ben, j'ai envie de vous dire, prenez une décision, on s'en fiche, prenez à gauche, prenez à droite, allez tout droit, mais l'important, c'est le premier pas que vous allez faire dans le labyrinthe, et puis ben, vous verrez bien où est-ce que ça va vous mener, cette histoire. Eh bien, c'est exactement ça. Donc peut-être aussi, et comme je vous parlais d'emménagement, de déménagement, de nouvelles énergies, de choses qui vont bouger, surtout si là par exemple, vous voyez, je vais reprendre la poupée, ça pourrait nous parler aussi de la fin d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose peut-être qui vous retenait et qui vous empêchait d'avancer. Et là, comme de nouveau vous êtes libre, il peut y avoir ce sentiment de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, parce que justement vous êtes libre. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que ça fait 20 ans que vous faites un poste. Voilà, vous faites un travail, vous êtes assigné à ce poste depuis 20 ans. Et ben, le jour où ce poste se termine, et ben, vous êtes complètement perdu, parce que du coup, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, vous ne savez pas ce que vous devriez faire. Voyez, on a vraiment ce sentiment comme ça d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Donc peut-être que cette semaine, comme on a des énergies comme ça qui vont bouger, et pour moi, bouger de façon positive, ça pourrait déclencher ce sentiment un peu de je sais pas où aller. Peut-être que ça peut être aussi plein de bonnes nouvelles qui vont arriver, et par conséquent, et ben, parfois quand on a trop de bonnes nouvelles, et ben on sait pas les gérer non plus, hein. Et enfin, la boule de cristal vous demande, alors là plutôt ce serait
un conseil, j'ai plus envie de dire que c'est un conseil, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, la boule de cristal serait le fait de vous concentrer, c'est-à-dire que là, si vous vous éparpillez cette semaine, si vous vous sentez égaré, eh bien, essayez de vous recentrer, puisque la boule de cristal permet de se focaliser sur un point fixe, de se centrer, de faire une sorte de focus, comme si c'était un entonnoir, hein. Si on est dispersé dans nos pensées, on se met un entonnoir mental pour diriger toutes nos pensées vers un point précis. Et ça pourrait être ici une forme de conseil. Ça pourrait aussi, la boule de cristal, être le signe de quelque chose qui va être révélé, le fait de voir clair, le fait de avoir une vision éclairée. Alors soit pour moi, je pense, à mon avis, que c'est lié aux énergies que je viens de vous dire, à savoir que vous aurez peut-être une réponse cette semaine, et grâce à cette réponse, eh bien ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez désormais. Je vous prends un exemple très concret pour le coup, hein. En début de semaine, la réponse que j'aurai de ce que j'ai postulé, que ce soit oui ou non, peu importe, mais grâce à cette réponse, je sais où est-ce que je pourrais aller, et je sais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place après, voyez. Ce serait dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que si vous-même, durant cette semaine, vous êtes un petit peu dans le flou, eh bien ne vous inquiétez pas, il se peut que vous ayez un événement ou un élément qui vous permette, eh bien, d'y voir plus clair. Et on vous invite aussi à vous concentrer et à vous focaliser sur un point précis. Allez, on va se compléter ça avec l'oracle Dionysa. Regardez un petit peu le dos, comme il est beau. Regardez la couleur, franchement. C'est la même couleur que le tapis, on pouvait pas mieux faire. J'adore la couleur. Allez, c'est parti, on va se compléter ça. Oh, regardez, nous avons la carte des célébrations, on a les coupes de champagne. Vous voyez, quand je vous disais ici quelque chose à fêter, une bonne nouvelle, et moi qui vous parlais en plus, eh bien, de emménager, déménager, donc peut-être ici que ça pourrait nous parler d'une pendaison de crémaillère, peut-être que ça peut nous parler d'une bonne nouvelle, vous arrivez probablement à la fin d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui représente peut-être plus d'inconvénients que d'avantages, et désormais que vous serez libre de ça, vous allez pouvoir fêter cet événement puisque c'est une forme de nouveau départ. Excusez-moi, je risque d'éternuer, je l'ai dans le nez depuis un petit moment et ça veut pas sortir. Nous avons la tristesse et l'enfermement. Ah bah alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu logique, en plus c'est sur la carte du labyrinthe. Regardez, je vous montre. Elle est sur la carte du labyrinthe. C'est un petit peu logique, hein, parce que quand on a ce sentiment comme ça de quelque chose qui se termine, et puis qu'on peut avoir aussi ce sentiment d'être un petit peu égaré, d'être perdu, même si ce sont des bonnes nouvelles, hein, rapidement, le fait de tourner en rond, de ne pas savoir où on va, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, etc., etc., eh bien, effectivement, ça peut créer une forme de tristesse et d'enfermement. Attention, les amis, parce que dans un labyrinthe, c'est vraiment très traître. C'est-à-dire que, oui, il faut que vous preniez le temps d'analyser votre environnement, il faut que vous analysiez où est-ce que vous allez évoluer et quel chemin vous allez prendre, mais il ne faut pas non plus rester les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avancer, peu importe la décision, gauche ou droite, peu importe la décision, il faut avancer, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et si vous vous sentez comme ça égaré et que vous ne prenez pas une décision, que vous ne tranchez pas, eh bien rapidement vous allez ressentir un sentiment d'enfermement et de tristesse qui ira avec. Alors là, j'ai envie de dire, c'est logique. Pour moi ici, cette carte, elle n'est pas foncièrement négative, elle serait plus ici comme avertissement, c'est-à-dire attention, ne fais pas du surplace, ne fais pas du surplace, maintenant avance, bouge, fais quelque chose. Pourquoi je remélange les cartes, moi? Bah c'est pas grave, c'est que je devais le faire. Et nous avons un homme. Ah, un homme. Alors, ici, vous pourriez avoir l'intervention d'un homme qui pourrait vous aider à y voir plus clair, qui pourrait vous aider peut-être à sortir de ce labyrinthe. Alors, c'est drôle. Excusez-moi, là, pour le coup, vous allez croire que je suis pas objectif. Parce que, fait exprès, le coup de téléphone que j'attends pour mon travail, c'est avec un homme. Donc, du coup, voilà. Mais ici, bon, je vais pas penser à moi, ne vous inquiétez pas. Mais ici, on pourrait vraiment nous parler de l'intervention d'un homme qui va vous aider à y voir plus clair, ou même qui pourrait avoir une véritable intervention, c'est-à-dire que c'est grâce à cet homme que vous allez sortir de ce labyrinthe, et c'est grâce à cet homme, en fait, qui va vous offrir une vision, une sorte de clairvoyance, qui va vous permettre de voir, soit de gérer vos idées, ou d'organiser, ou tout simplement de faire du nettoyage dans votre tête ou dans votre vie, pour vous permettre d'y voir plus clair, pour enfin trouver une sortie à ce labyrinthe. Vraiment ici,
pour moi, je vois quelque chose de positif. Je vois cet homme qui va vous permettre de vous aider à vous sortir de cette situation et qui vous permettra d'y voir plus clair. On va se faire un petit tableau avec le carré fantabuleux. Ah là, on a la carte de la fleur. Ça pourrait nous parler d'une romance. Ici, d'une romance, de sentiments. Ça peut être en lien aussi avec l'amitié. Allez, carte maîtresse, nous avons... Oh, regardez les amis, on a le caducé, c'est formidable. Non, vous ne voyez strictement rien, c'est normal. Il y a la ring light qui est en train de refléter sur les cartes. J'ai eu une bonne idée, moi, de faire des jeux version gloss. C'était très bien. Donc, on a la carte du caducé. Et rappelez-vous ce que je vous disais avec la rune de Sohio, qui nous parlait ici de bonne santé, de guérison. Donc, il est possible, les amis, hein, que cette semaine, vous ayez soit une nouvelle par rapport à votre santé, ou alors votre santé qui va se régénérer. Et je vous le souhaite, hein, vous allez peut-être avoir un regain de vitalité cette semaine, ou je sais pas, si vous souffrez d'une maladie chronique, et bien pour cette semaine, elle va peut-être vous laisser tranquille, hein, ça pourrait être une sorte de, comment qu'on appelle ça, de vous laisser tranquille. Je trouve pas mon mot, je vais pas commencer à me lancer dans des recherches parce que sinon on y est là encore demain. Donc ici ça nous parle soit de santé, de lien avec la santé, peut-être ici ça pourrait peut-être être un docteur. Je vois par rapport à l'homme, ça pourrait peut-être nous parler ici d'un docteur du coup qui vous apporterait des réponses, hein, si vous avez des problèmes de santé et que vous êtes pris comme ça dans un peu cet engrenage, je parlais de maladie chronique. Peut-être que un docteur ici va vous apporter une réponse du coup qui serait positive par rapport à la santé. Donc soit ce sont des résultats d'examen, soit ça pourrait, pourquoi pas, nous parler d'un nouveau traitement qui fonctionne bien, etc. Non, je vais rester sur traitement parce qu'en fait, il n'y a que ça qui me vient. Donc je ne vais pas insister, je vais rester sur mes premiers ressentis. Alors, nous avons le grimoire, nous avons le miroir, nous avons la bouche, nous avons l'évolution. Très bien, eh ben ça, on a encore des cartes positives. En plus, regardez, l'évolution, elle est sur la santé. Facile, je vais pas vous l'interpréter. Là, on nous parle vraiment d'une augmentation de santé, de quelque chose qui s'améliore. Donc, soit c'est un regain de vitalité, comme je l'ai dit, soit ça va être un sommeil plus réparateur, soit le fait d'avoir eu la nouvelle que vous attendiez, ça va enfin vous tranquilliser et vous allez pouvoir souffler et faire le vide dans votre esprit en vous disant « Ouf, ça y est, le déménagement est fini, ça y est, mon contrat est terminé, ça y est, j'ai eu ma réponse. » Enfin, vous voyez, ça peut être tout aussi en même temps, mais il y a vraiment ici pour moi cet aspect de quelque chose qui va enfin vous tranquilliser, qui va vous libérer l'esprit, et par conséquent, qui vous allez pouvoir lâcher un petit peu et régénérer votre santé tout simplement. On nous parle aussi, le grimoire nous parle alors soit de papier administratif, mais... Alors, papier administratif, oui et non. J'ai envie de dire que ça paraît logique, puisque je vous parlais ici d'emménagement, déménagement, pendaison crémaillère, bonne nouvelle, célébration, des choses à fêter. Donc, peut-être ici que c'est un papier, quelque chose que vous allez signer, un papier important que vous attendiez, ou ça peut être un contrat professionnel, ça peut être ce fameux bail. Vraiment, ici, ça peut être une bonne nouvelle, donc un papier administratif. Mais le livre peut aussi faire référence à un aspect éducatif. Peut-être que vous allez vous lancer dans une formation, vous avez une idée de formation, ou vous allez peut-être avoir la réponse à la formation à laquelle vous aviez postulé. Vous voyez, il y a une idée ici de formation, d'apprentissage, d'études. Donc il se peut que ce soit lié. Alors regardez les amis, regardez, on a le... vous avez vu, c'est quand même drôle, on a la boule de cristal qui ressort quand même, hein. Ça c'est quand même drôle. Donc du coup, et en plus c'est pas anodin, ce n'est pas anodin parce que la boule de cristal, elle est sur la réponse oui. Donc ce qui veut dire que oui, vous allez bien avoir la réponse que vous attendiez. Et là honnêtement, on est face à un joli tableau qui nous parle de paix, de tranquillité, d'un nouvel horizon qui se profile devant vous, un horizon qui est calme, qui est clair, vous savez où est-ce que vous allez. Et concrètement ici, c'est vraiment entouré de positif. Grâce à ce nouvel horizon, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Vous obtiendrez les réponses que vous attendiez qui vont être positives. On est dans une phase d'échange, mais des échanges tranquilles, c'est-à-dire ici, il y a peut-être un aspect de discussion, mais des discussions qui, pour soit apaiser les choses ou tranquilliser, ça peut être des négociations peut-être, hein, pour parler, trouver un terrain d'entente, enfin voilà, il y a un aspect ici. Pour moi, tout reste positif, on est sur un joli tableau, on est sur de belles énergies qui sont positives.
Allez, maintenant les amis, on se retrouve pour la guidance amoureuse. On va commencer par nos amis célibataires. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Je fais du favoritisme pour nos amis célibataires. Je fais jamais les couples en premier. C'est vrai, je m'en excuse. Mais en même temps, célibataire, quand ça devient un petit peu long, c'est voilà. Donc, leur montrer qu'ils peuvent être prioritaires aussi. Donc, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, donc de Aline Savane aux éditions Arcana Sacra et l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert qui est auto-édité, qui est un magnifique oracle que je ne vous présente plus parce que vous le connaissez. Si, vous le connaissez, je vous ai fait la review, on l'a utilisé plein de fois, c'est un oracle merveilleux, bref. On va s'arrêter là. Donc on commence pour les spéciales célibataires et on va d'abord commencer par l'aspect de guidance. Et par rapport au message qui va ressortir, eh bien on verra ce qu'on va faire avec l'oracle Sacré-Cœur. Enfin du coup je pense que ça viendra compléter. Je suis en train de penser, je vous ai pas fait la review de l'oracle de l'harmonie. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresse que mardi, comme c'est la journée spéciale review, est-ce que vous voulez que je vous fasse la review de l'oracle de l'harmonie ? Allez, nous avons peur. De quoi avez-vous peur, mes amis célibataires? C'est la question qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? Et en plus, peur au pluriel. Donc peut-être ici qu'il y a plusieurs peurs à gérer, les amis. Est-ce que vous avez un problème par rapport à la confiance? C'est-à-dire que votre célibat, est-ce qu'il est dû par des facteurs extérieurs? Ou est-ce que vous êtes un petit peu responsable, attention hein, je vous juge pas dans ce que je dis, hein. Mais est-ce que vous êtes un petit peu responsable dans le sens que si vous avez du mal à faire confiance parce que la dernière expérience que vous avez vécue, enfin votre dernière relation s'est extrêmement mal terminée, vous avez été manipulé, vous êtes tombé sur un ou une pervers narcissique, bref, je vais pas tout vous énumérer, vous l'aurez compris, mais il se peut ici que ça soit dû à un traumatisme. Et très souvent, les problèmes amoureux proviennent de traumatismes. Alors là, les amis, je vais vous donner un conseil très concret. Et ça, je vous le dis et je vous le redis souvent et très souvent. On ne vit pas dans le passé, on vit avec le passé. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous traînez votre boulet. Hein, le boulet, c'est le passé. Donc, soit vous le traînez et auquel cas, le voyage va être long et pénible. Soit vous décidez de prendre votre boulet dans les bras et vous verrez que vous pourrez marcher sans entraves, vous pourrez marcher plus vite, plus loin et moins vous fatiguer. Hein. Donc ici, est-ce que c'est la peur de revivre ce que vous avez déjà vécu auparavant? Est-ce que c'est la peur d'aimer? Parce que ça peut arriver des fois. Hein. Là, je vais vous faire une toute petite aparté personnelle. Ça m'arrive, moi, des fois, d'avoir peur d'aimer parce que j'ai tellement été déçu, j'ai tellement été trahi. Quand je prends les membres de ma famille, j'ai malheureusement pas eu la chance de les connaître puisqu'ils sont décédés, j'étais petit. Et ce qui fait que j'ai du mal, en fait, à aimer les gens parce que je me dis que si je me mets à les aimer, tôt ou tard, je vais finir par les perdre. Alors, c'est très bête ce que vous allez me dire. Parce que oui, je suis conscient que je me prive peut-être de belles choses, de belles rencontres, etc. Mais je le concède hein, complètement. Hein. Mais tout simplement, voilà, ça c'est une peur, c'est une sorte de traumatisme qui fait qu'à chaque fois que j'aime quelqu'un, eh ben, je finis par perdre cette personne. Là, je ne fais référence à rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Mais peut-être que vous aussi, mes amis célibataires, vous avez cette peur-là. Eh bien, je vais vous inviter à faire un petit travail sur vous, à essayer d'identifier votre peur. Faites un petit exercice tout simple. On va prendre un autre exemple très concret. J'ai peur de l'eau. C'est débile de dire qu'on a peur de l'eau parce que avoir peur de l'eau, ça veut dire quoi? Que je bois pas d'eau, que je prends pas ma douche, que je fais pas pipi dans les toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement idiot. Donc non, avoir peur de l'eau, en fait, je l'ai analysé et comme je ne sais pas nager, j'ai jamais appris à nager et avec mon problème de bras, c'est compliqué en plus. Donc ce qui fait que je ne sais pas nager, en fait, c'est pas de l'eau dont j'ai peur de me noyer. Vous voyez, c'est pas l'eau le problème. Eh bien vous, c'est le même concept, c'est-à-dire que essayez d'analyser votre peur. De quoi avez-vous peur? Oui, vous avez peur de ça. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ça? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie raison derrière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait gratter derrière cette peur? Hein? Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, essayez de gratter derrière cette peur pour découvrir eh bien autre chose et ça vous permettra déjà le fait d'identifier votre peur. Ça vous permet de mieux la comprendre et ça vous permet aussi de mieux la maîtriser et apprendre à la maîtriser. Hein, je vais vous reparler de moi avec le fait de ne pas savoir nager. Le jour où je saurai nager, j'aurai plus peur de l'eau puisque j'aurai plus peur de me noyer puisque je sais me débrouiller dans l'eau, voyez ? Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Je suis poisson, c'est très ironique d'avoir peur de l'eau, je sais. Mais vous le savez bien que je suis quelqu'un de bizarre, alors autant continuer jusqu'au bout.
Allez, on y va pour la petite guidance. On va se faire trois cartes. Violence, agressivité, jalousie, rivalité. Bon, eh ben voilà, eh ben très bien, les amis. Donc, je pense que pour vous, mes amis célibataires, votre peur. Il y a effectivement une histoire de traumatisme ici. Violence, agressivité, jalousie et rivalité. Ici, ça me fait vraiment penser à un cycle, à une mauvaise expérience, à une relation qui s'est passée, qui s'est très mal terminée. Bref, il y a vraiment ici quelque chose qui est négatif. Et je pense que votre peur, elle est liée à ça. Mais j'ai envie de vous dire, essayez de vous dire que tout le monde n'est pas comme le précédent, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et qu'il faut essayer de donner au moins une chance. Au moins une seule, hein, on va pas en attribuer à tout le monde, et plusieurs, mais au moins une chance que la personne vous prouve qu'elle est différente. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire moi je suis différent. Non, prouve-le, Coco. Tu me dis que t'es différent, que t'es pas comme les autres. Oui, ça on me l'a dit 50 millions de fois dans ma vie. Moi je veux des actes, je veux des preuves, je veux des choses concrètes qui me prouvent que oui, effectivement, tu n'es pas comme les autres, et oui, que je peux avoir confiance en toi. Donc ici, il y a une relation. Peut-être aussi que vous êtes trop dur avec vous, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes peut-être dur avec vous et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai fait une petite guidance sur Instagram et Facebook et c'est le message qui ressortait qu'on est à la fois notre propre guide et qu'on est capable de se perdre tout seul mais on est aussi capable de retrouver notre route tout seul. Et je pense que pour vous, mes amis célibataires, vous êtes un petit peu dans ce cas de figure. Excusez-moi, je sais pas si ça s'est entendu, j'ai une porte qui a claqué. Mais là, c'est pas une histoire de fantôme, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Là, j'avais ouvert la fenêtre pour aérer, donc ne vous en faites pas, hein. Ce n'est pas un fantôme. Enfin, j'espère pas en tout cas. Donc je vous disais ici que peut-être vous êtes en conflit avec vous-même et c'est aussi ce qui peut poser problème pour rencontrer quelqu'un. Hein, effectivement, si vous avez une mauvaise image de vous ou si vous êtes trop dur avec vous-même, que vous êtes trop dans le jugement, trop dans la condamnation, malheureusement ça se ressent aussi par rapport aux autres. Et ben voilà, hein, on est sur une loi d'attraction. Donc les amis, essayez vraiment peut-être de maîtriser cette peur-là. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez de l'aide et du soutien. C'est une carte qui est très positive. Essayez de puiser, à défaut d'être célibataire, eh bien j'ai envie de vous dire, profitez autrement, trouvez l'amour autrement, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, des passions, vos animaux, bref, votre travail, ça peut être plein de choses. Mais vous avez de l'aide, vous avez du soutien, et surtout n'ayez pas peur aussi, et je pense que c'est pas anodin que je vous dise ça, n'ayez pas peur de demander de l'aide et du soutien, hein. Il n'y a pas de honte à dire, bon stop, là j'en peux plus, je suis à un moment de ma vie où j'en peux vraiment plus, où je suis en train de saturer, j'y arrive plus, je sais plus quoi faire, j'arrive plus et j'ai besoin d'aide, j'ai vraiment besoin d'aide. N'ayez pas peur justement de demander cette aide et ce soutien, hein, vous pourriez l'obtenir. Et encore une fois, dites-vous bien que tous les gens ne sont pas pareils et qu'il faut donner une chance à chaque personne. Allez, on passe maintenant à nos amis les couples. Allez, c'est parti pour nos amis les couples. Intuition, écoutez. Ah, pardon, c'était une question, j'arrivais pas à le lire. Écoutez-vous vos rêves? Les amis, on vous parle d'intuition. Essayez de faire confiance à votre intuition. C'est important, surtout quand on est en couple. Si par exemple, vous êtes toujours dans le doute par rapport à votre partenaire, si vous posez des questions sur lui ou sur elle, etc. Suivez ce que votre cœur vous dit, suivez votre intuition, ayez confiance en vous, ayez confiance en la relation que vous avez. N'écoutez pas tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, n'écoutez pas tous les éléments extérieurs, mais faites confiance uniquement à vous et à vous seul. Si dans votre cœur on vous dit non, sois rassuré, aie confiance, etc., eh bien suivez votre intuition. C'est très important de suivre son intuition. Honnêtement, alors je suis très très mal placé pour vous dire ça parce que j'ai souvent des intuitions sur certains trucs et je me dis non, c'est peut-être une peur, etc. Et non, en fait, si j'avais suivi mon intuition, je me mettrais pas dans certaines situations. Et c'est pareil pour vous les amis, suivez votre intuition, surtout quand on est en relation de couple, surtout si en plus ça fait déjà quelques années que vous êtes ensemble, suivez toujours votre instinct, suivez ce que votre cœur vous dit. D'accord? Et ne vous référez pas au discours de Pierre, de Paul, de Jacques, etc., etc. Non, 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 non. Suivez uniquement votre propre intuition.
Donc si vous ressentez, alors attention, ça peut être positif et négatif ce que je suis en train de vous dire, hein, puisque effectivement si votre mari il a une relation avec la secrétaire et que ça fait un petit moment que vous en doutez et puis vous le sentez, bah peut-être que l'intuition effectivement ça mérite. Alors attention, je vous dis pas de divorcer tout de suite parce que votre intuition elle vous dit ça. Non, parce que parfois l'intuition elle peut être faussée. L'intuition, il faut faire attention parce que l'intuition ça peut être à la fois votre meilleur ami mais votre pire ennemi en même temps. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons que, on va reprendre votre mari et la secrétaire. Imaginons que votre mari entretient une relation très particulière avec sa secrétaire. Ils sont fusionnels, ils rigolent bien, ils ont des passions communes, etc., etc. À chaque fois que vous rencontrez votre mari, bah, il y a sa secrétaire qui est juste à côté. Bref, vous voyez, il peut y avoir, entre guillemets, des fausses informations que votre cerveau va analyser comme étant un danger pour vous dire « Oulala, attention, mari, secrétaire, ils couchent ensemble, écoute-moi, écoute-moi. » Non, 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 non. Parfois, l'intuition peut être faussée, hein, donc avant de réagir, il faut toujours décomposer la situation et analyser cas par cas. Et comme un puzzle, c'est-à-dire que là, c'est le puzzle, mais dans le sens inverse. On a un puzzle qu'on croit être cette image, mais en fin de compte, il y a des pièces qui sont pas vraiment au bon endroit. Donc, on défait toutes les pièces pour refaire le puzzle comme il faut et on découvre en fin de compte que le puzzle, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on croyait au début. Hein. Ça se trouve, en fait, la secrétaire, bah, elle préfère les femmes. Hein. Elle a aucune vue sur votre mari, mais justement il partage des passions communes, elle adore les voitures, il adore les voitures aussi, enfin vous voyez, donc parfois les signes peuvent être trompeurs, donc ne vous focalisez pas sur ce que vous croyez savoir ou sur ce que vous croyez ressentir, mais vraiment écoutez votre intuition, celle qui est au fond de vous. Vous savez, on a deux petites voix qui nous parlent, on a la petite voix qui te dit oui, 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 et puis on a l'autre petite voix qui te dit non, non, non. Et très souvent, c'est la première petite voix qu'on entend, et l'autre petite voix, elle est tellement plus faible que l'autre que du coup, celle-ci, on ne l'écoute pas. Et c'est ça la vraie intuition, c'est ça le vrai instinct. Donc essayez de faire fermer le clapet à la petite voix qui vous dit oui, 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 hein, et puis non, essayez d'écouter l'autre petite voix qui vous dit non, aie confiance, écoute-moi, je sais, je le ressens, etc., etc. Allez, on va regarder maintenant avec le reste des cartes. Alors, nous avons trahison, mensonge, déception, moment cocooning, et nous avons communication, échange et nouvelles. Bien les amis, alors vous voyez là à quel point l'intuition elle est bien associée à tout ça. C'est-à-dire que l'intuition, la trahison, mensonge et déception, c'est typiquement ce que l'intuition peut vous faire croire et peut vous faire comprendre. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, l'intuition parfois peut être faussée si on a les mauvaises pièces du puzzle qui sont placées au mauvais endroit. Du coup, on peut commencer à se faire des scénarios dans la tête en s'imaginant tout le temps le pire, parce que l'être humain, il est capable que ça. On est capable que d'imaginer le pire. On n'arrive jamais à imaginer le meilleur. Hein. Comme quoi, hein, quand on parle de loi d'attraction, qu'on se plaint d'avoir des merdouilles qui tombent dans notre vie, mais en même temps, nous sommes fatalistes. L'être humain est fataliste. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à attirer les bonnes choses vers nous? Et là on nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Et pour moi je pense que c'est lié à votre intuition. Alors effectivement il peut y avoir cet aspect aussi, c'est-à-dire écouter votre vraie intuition, la petite voix, hein, vous savez, celle qui vous dit non, non, non. Si effectivement il y a quelque chose que vous ressentez entre la secrétaire et votre mari et que ça dure déjà depuis un petit moment et il y a des signes quand même assez assez équivoques qui laissent peu de place au doute, bah là oui pour le coup on peut être sur cette trahison, sur ces mensonges et sur cette déception. Mais attention aussi à l'intuition qui peut vous conduire à vous-même avoir un comportement qui va finir par trahir votre partenaire, et parce que parfois on essaye de prêcher le faux pour connaître le vrai. Mais quand on découvre qu'on a été piégé par celui en qui on avait confiance et celui qu'on aimait, et qu'on a été piégé parce qu'il cherchait à obtenir une vérité qui n'existe pas, et que par conséquent il a créé toute une espèce de subterfuge pour obtenir des informations qui n'existaient pas, et ben oui, là du coup c'est l'autre qui se retrouve en position entre guillemets de victime, c'est-à-dire que d'accusé en fait il se retrouve victime, et le petit jeu que vous aviez concocté, il se retourne sur vous, voyez. Donc pour moi là, ici c'est pareil, c'est plutôt c'est une sorte d'avertissement comme je le ressens. On nous parle de moment cocooning aussi.
et de communication. Je pense que ce qui est important à l'heure actuelle dans votre couple, et ça, j'ai envie de dire, ça paraît un petit peu logique parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, les confinements, etc., il y a beaucoup de tensions qui ressurgissent, et il est tellement plus facile de pourrir la tronche de son partenaire, hein, parce qu'on est énervé, parce qu'on n'a pas de vie, on n'est pas allé au resto depuis un an, on voit plus nos amis, on fait plus rien, etc., etc., donc on est très agacé, donc le premier qui est en face de nous, il s'en prend plein la tronche, voilà. Bon, ça aussi, c'est humain. Mais je pense que ce qu'il vous faut pour cette semaine, c'est de vous retrouver, mais de vous retrouver vraiment et réellement, en passant des moments cocooning, en discutant, en échangeant, parce que c'est pas le tout d'avoir une intuition sur quelque chose, sur quelqu'un, mais il faut que ce soit fondé. Et si vous voulez que votre intuition se taise, ou si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, le mieux est de communiquer, de ne pas être dans du dialogue de sourd, d'être dans l'écoute active, et c'est-à-dire on écoute et on entend, hein, on n'entend pas que ce que l'on veut, on n'écoute pas que ce que l'on voudrait entendre, voyez, non, c'est on écoute son partenaire, on entend ce qu'il nous dit et on lui répond, hein, c'est comme ça les échanges actifs, hein. Donc là, moi ce que je vous suggère ici, c'est que là on parle de quelque chose quand même d'assez négatif pour évoluer vers des choses qui sont positives. C'est-à-dire que pour moi ici, la communication, c'est l'outil que vous pouvez employer cette semaine pour obtenir ce que vous voulez, à savoir déjà de vous retrouver dans une ambiance intimiste, de vous retrouver cocooning tous les deux. C'est important là aussi, surtout que le quotidien peut s'installer, on est rapidement bouffé par le travail, les enfants, etc., etc. Le temps s'installe, en plus la routine s'installe, donc il y a des choses qu'on ne fait plus, et non, et c'est important dans un couple de partager ces moments cocooning. Voilà donc mes amis couples. Allez, maintenant on va terminer avec notre petite baguette chinoise. Alors, nous avons la numéro 37. Les mots ne servent à rien sans les actes qui les accompagnent. Ah, c'est quand même drôle. Moi qui vous disais, je prenais l'exemple, non, moi je suis différent. Non, Coco, tu me dis pas ça, tu le prouves. Et c'est ce que la baguette est en train de nous dire. Vous devriez essayer de résoudre les problèmes que vous avez maintenant. Comme toujours, les actes positifs sont le meilleur moyen de vous assurer une bonne fortune. La richesse et une position sociale élevée ne sont pas à votre portée pour le moment. Mais les relations personnelles sont plus favorisées par le sort. La maladie passera si vous recherchez une assistance médicale. Alors, franchement, là, les amis, on a quand même une baguette qui est super intéressante dans la réponse, parce qu'elle vient résumer absolument tout le tirage. C'est-à-dire que moi qui vous parlais qu'il ne faut pas des mots, mais il faut des actes, qu'il faut être sur la bienveillance, qu'il faut être sur l'honnêteté. On a aussi, on nous parle de santé, hein. C'est quand même assez drôle. Là, pour le coup, la baguette, elle résume vraiment bien l'ensemble du tirage. Allez, maintenant, je vous propose de penser à votre question. Vous pouvez la formuler à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez. Question par oui ou par non. Et c'est parti. Nous avons un non. Nous avons un oui. Et nous avons un non. Ce qui veut dire qu'on est sur deux non pour un oui. Donc c'est plutôt défavorable, c'est plutôt négatif. Attention, c'est pas un non ferme et définitif, hein. Ça veut pas dire que c'est non, c'est sûr. Non. C'est-à-dire que si vous aviez besoin ici d'un conseil, c'est plutôt non. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous pouvez pas le mettre en place. Non. Essayez. Mais si jamais ça échoue ou que ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez, bah on vous avait averti que c'était pas forcément propice pour ce moment-là. Astro chance. Oui, je sais, mon générique était complètement pourri, je tiens à m'excuser. Allez, l'astro chance, qu'est-ce que c'est pour les petits nouveaux de la chaîne? Je vais vous expliquer. On va un petit peu définir votre taux de chance sur la semaine à venir. Alors attention, c'est pas parce que vous aurez une toute petite chance que ça veut dire que vous allez vous prendre une météorite sur le coin de la tronche et que par conséquent il faut rester couché toute la semaine et attendre que ça passe. Non, c'est pas du tout pour dire ça. C'est juste pour vous donner une sorte d'indice, j'ai envie de vous dire. Si vous hésitez à vous lancer dans un projet, à faire quelque chose, eh bien pour définir un petit peu si la chance est avec vous.
vous ou pas. Et on va faire donc par signe astrologique. Je vais utiliser deux sets de dés. Le premier, ce sont des dés classiques avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et on va utiliser un autre set de dés avec des moins et des plus qui vont venir soit soustraire ou additionner des points. C'est-à-dire que le minimum que vous pouvez faire, c'est 4. Avec 4 moins, bah du coup, 4 moins 4, ça fait 0. Je vous rassure, c'est encore jamais arrivé. Mais tout est possible. Et le score maximal que vous pouvez faire, par conséquent, c'est 24 plus 4, ça sera 28. Et là, c'est vraiment the big chance. C'est-à-dire que si un signe a 28, vous allez acheter un loto immédiatement. Et si vous gagnez le loto, vous pensez à moi, vous m'en envoyez la moitié. Parce que je vous aurais quand même prédit qu'il fallait le faire. Hein. Allez, histoire de casser un petit peu les habitudes, c'est toujours les béliers en premier et les poissons en dernier. Ah bah tiens, voilà, ça sera Sagittaire. Sagittaire pour les premiers. C'est toujours comme ça, donc hop, ah bah la discrimination cosmique. Donc désormais, voilà, on s'en réfère au destin. Et ce sera pas les béliers, ce sera d'abord les Sagittaires, puisque cette carte elle est tombée. Et ils avaient envie de commencer tout de suite, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 1, 16. Eh ben, ils avaient raison de sortir les Sagittaires, puisqu'on a 2 moins, on a 2 plus, donc il reste à 16. Les Sagittaires, c'est une jolie chance. Vous êtes largement au-dessus de la moyenne, ce qui veut dire que pour vous, c'est une semaine qui est plutôt placée sous de bons augures, sous de bons auspices. Donc, si vous avez des envies, eh bien, faites-les. C'est le moment opportun pour se lancer, pour tenter, pour essayer. Allez-y. Les Cancers. Les Cancers, on a 5 et 5, 10 et 3, 13 et 1, 14, 14. Ah, les Cancers, c'est dommage, vous aviez 14 et on a 4 moins, ce qui vous fait plus que 10. Alors attention les Cancers, quand on a les 4 moins ou les 4 plus, donc oui, ça vous baisse le score, mais c'est surtout aussi pour vous signifier que vous risqueriez vraiment de passer à côté d'une certaine chance et que soit vous allez jouer de malchance ou qu'il va y avoir un petit événement dans la semaine qui sera vraiment dû à la malchance, hein. C'est la faute de personne, c'est vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, ça devait se faire ainsi, et malheureusement, il y avait une tuile dans le pâté, et ben elle est pour vous la tuile, voilà. Donc pour vous quand même, mes amis cancers, on est quand même sur 10, c'est pas non plus une vilaine chance, mais autrement dit, cette semaine, essayez plutôt d'être tranquille, et ne tentez pas trop le diable, parce que du coup, il pourrait se présenter à la porte, hein, voyez, donc voilà, restez plutôt tranquille et dans votre zone de confort. Les taureaux, el toro, vous avez vu mon super accent. Les taureaux, on a 3 et 3, 6 et 2, et 2 et combien ça fait? Et ça fait 8, je sais plus compter. 8 et 1, 9. Ah, ouf, les taureaux, hein, vous avez 3 plus qui vous sauve un petit peu les miches. Vous avez un moins, donc ça fait 8, mais vous avez 3 de plus, donc du coup, ça vous fait 11. Bon, les taureaux, c'est pas une chance de ouf, hein, on frise à peine la moyenne, puisque c'est 12. Donc pour vous les taureaux, j'ai envie de vous dire, ne foncez pas tête baissée parce que pour le coup, il se peut qu'il y ait un mur sur votre route. Donc essayez de regarder quand même, de lever les yeux où est-ce que vous allez, parce qu'il se peut très fortement que soit il y a un piège devant vous, enfin c'est prévisible, hein, ce qu'il y a devant vous, ça va pas tomber comme ça, ça va pas sortir de la cuisse de Jupiter, non, c'est quelque chose qui est plutôt prévisible, donc regardez bien où est-ce que vous allez, regardez bien ce que vous faites, puisque la chance n'est pas tout à fait avec vous, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire que pour moi, si vous arrive une tuile cette semaine, bah vous serez un petit peu responsable, hein, parce que ça sentait que ça allait arriver. Les lions. Alors, les lions. Ah, les lions, ça fleure bon, ça. 6 et 4, 10 et 3, 13 et 13. Oh là là. Mais Jonathan, mais tu racontes, mais n'importe quoi. 6 et 4, 10 et 3, 13 et 2, 15. On a un moins, on a un plus. Donc, les lions, vous restez à 15. C'est une jolie chance. Vous êtes juste en dessous des Sagittaires. Ce qui veut dire que pour vous, cette semaine, bah, les choses, ça devrait relativement bien aller. Normalement, cette semaine, vous êtes effectivement le roi de votre savane. On ne devrait pas venir vous embêter. Vous devriez avoir tout ce que vous voudriez. Voilà, normalement c'est une semaine qui devrait relativement bien se passer pour vous les lions. Les balances. Les balances. Ouh, les balances.
Balance, balance. 6 et 6, 12. 12 et 2 et 2, 14. 14 avec un petit moins, ça fait 13. Mais 13 plus 3, ça fait 16. Bien, les balances, vous êtes donc comme nos amis Sagittaires, ce qui veut dire que normalement, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. La chance est de votre côté, donc pareil, si vous avez envie d'essayer quelque chose, de tenter, allez-y, permettez-vous de sortir un petit peu de votre zone de confort et allez-y, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire, oui, allez-y, allez-y, tout simplement. Les poissons. Attention, moment de suspense, là, hein, il s'agit de moi, donc allez, s'il vous plaît, 24, 24 points. Non, je n'influence pas les dés. Alors, j'ai pas triché. Il n'y a pas 24, mais ça fleure bon. Alors, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 3, 18. 18, on a un petit moins, ça fait 17, mais on a 2 plus, ça fait 19. Ce qui fait que les poissons sont en tête pour cette semaine. C'est eux qui, pour le moment, ont le meilleur score. Donc, pour vous, mes amis poissons, normalement, la chance devrait être avec nous. Donc, effectivement, les portes devraient s'ouvrir. La vie devrait nous sourire et les choses devraient enfin pouvoir prendre une bonne tournure. Donc profitez-en mes amis poissons. Pour le coup, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de requins dans nos récifs de coraux, donc on peut s'aventurer à explorer, faire de nouvelles rencontres, aller à Bikini Bottom pour rencontrer Bob l'éponge. Non, blague à part, là pour nous là, les poissons, on a une belle chance, donc profitez-en cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 6 et 5, 11 et 2, 13 et 2, 15. Ouh, les Gémeaux, mais c'est que les Gémeaux, vous rivalisez avec les poissons, là, hein? Les Gémeaux, du coup, avec 3, ça vous fait 18, ce qui vous place juste en dessous des poissons. Gémeaux, belle et bonne semaine aussi en perspective. Donc, pareil pour vous, allez-y, tentez. Si vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, allez-y, faites-le, c'est le moment. La semaine est vraiment positive pour vous. Les Scorpions. Les Scorpions. Scorpions, 4 et 4, 8 et 1, ça fait 9 et 1, ça fait 10, on a un plus, on a un moins. Les Scorpions, petite chance comme les Cancers, c'est-à-dire restez dans votre zone de confort. Ne vous aventurez pas sur un terrain qui pourrait être miné. Hein. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, c'est-à-dire ne vous lancez pas dans des trucs que vous ne maîtrisez pas parce que la situation pourrait complètement vous échapper et devenir hors de votre contrôle et même voire se retourner contre vous. Donc attention, c'est une semaine plutôt tranquille pour vous aussi les Scorpions. Attendez de meilleurs augures. Attendez peut-être que la tempête passe. Les Verseaux. Les Verseaux, 5 et 4, 9 et 1, 10 et 2, 12, et vous avez un plus, et bien du coup ça vous fait 13. Ouf, les Verseaux, vous passez juste au-dessus de la moyenne. Alors attention les Verseaux, hein, oui vous êtes au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus une chance extraordinaire où vous allez vendre l'hypothèque pour aller jouer au casino. Hein, non, non. C'est une chance qui est vraiment à demi-mesure, c'est-à-dire que si les choses doivent se faire cette semaine, c'est qu'elles devaient se faire. Les choses qui ne se feront pas, elles ne devaient pas se faire, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai envie de vous dire, tentez, vous verrez bien, qui ne tente rien n'a rien. Si ça fonctionne, eh bien tant mieux, ça devait se faire et ça fonctionnait pas et ça ne fonctionne pas, n'ayez pas de regrets, ça ne devait pas se réaliser tout simplement. Les Capricornes. Les Capricornes, on a 3 et 1, 4 et 2, 6 et 2, 8 et on a un 7. Attendez, je vais recompter, non, parce que là c'est déprimant. 3 et 1, 4 et 4, 8 et moins 1, ça fait 7. Bon, alors les Capricornes, j'ai envie de vous dire que cette semaine, vraiment, soyez d'une part courageux, c'était le premier mot qui m'est sorti. Donc soyez courageux, mais surtout accrochez-vous et ne tentez absolument rien, restez tranquille, restez vraiment dans votre confort, dans votre aspect cocooning, ne tentez vraiment pas le diable parce que non seulement pour vous il sera derrière la porte mais il va aussi s'inviter chez vous. Donc vraiment ne prenez pas de risques pour vous mes amis Capricorne, ce n'est pas la bonne période pour l'instant. Les Vierges.
Les vierges, 5 et un 6 et un 7 et un 8. Ah bah, les vierges, c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc 8 et un 9 et un 10. Et bah, les vierges, pareil, vous êtes logés à la même enseigne que les scorpions et les cancers. Petite semaine en perspective. Ne tentez pas trop le diable, hein, pareil. Oui, je sais, le diable est très présent cette semaine. voilà, ne forcez pas les choses. Si vous sentez que ça bloque, si vous sentez que ça ne vient pas, c'est pas grave. Laissez passer la semaine, laissez passer les énergies et vous verrez un moment un petit peu plus propice. Et enfin, les béliers. Tiens, tiens, les béliers, vous êtes toujours premier. Ben, aujourd'hui, vous êtes dernier. Voilà, nananère. Je sais, je suis un vrai gamin. Alors, pour nos amis les béliers, 4 et 3, 7, non, je vais pas faire comme ça, 3 et 3, 6 et 4, 10 et 2, 12. On a un petit moins, ça nous fait 11, on a 2 plus, ça nous fait 13. Bon, les béliers, c'est pas si mauvais, vous êtes juste au-dessus de la moyenne, donc même conseil, c'était pour qui? C'était, je crois, les Verseaux. Ouais, il me semble que c'était pour les Verseaux, vous aviez aussi 13. Donc pareil les béliers, qui ne tente rien n'a rien, si ça doit se réaliser cette semaine, ça se fera. Donc tout simplement, eh bien, essayez, et puis vous verrez bien si ça marche ou pas. Et puis bah, si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, eh bien, tant pis, c'est pas grave, hein, ça devait pas se faire, on verra à un meilleur moment quand les énergies seront plus propices. Et voilà mes amis pour cette guidance de la semaine à venir. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas de me retrouver avec vous, de retrouver mon cocon, de retrouver mes habitudes, de retrouver ce que j'ai l'habitude de vous faire. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout qu'en plus, cet après-midi, enfin au moment où je vous tourne la vidéo, je suis parti me balader en forêt. Ça m'a fait un bien fou. Je vous promets les amis, j'ai pu me ressourcer, j'ai pu m'ancrer, j'ai pu m'oxygéner. En plus, avec le vent qu'il y avait, je peux vous dire que, ah, mes poumons, là, j'en ai pris plein les poumons, hein, c'est le cas de le dire. Donc j'ai été bien oxygéné et j'avoue que ça m'a fait du bien. Donc nous, on se retrouve. Je sais plus mon planning. On se retrouve là dans la semaine, hein, puisqu'il y aura review, machin. Et bien sûr, je vous donnerai aussi des nouvelles par rapport à l'entretien d'embauche, puisque normalement, pour cette semaine, je suis censé être fixé. Et en fonction de la réponse que j'aurai, eh bien, c'est là que dépendra soit le nouveau planning, soit l'ancien. Bref, je vous tiens au courant, ne vous en faites pas. Je vous embrasse tous très fort. Sachez que je vous aime fort et je vous remercie. Là, je fais une petite aparté. Je vous remercie beaucoup pour vos messages de soutien et d'amour. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconforté. J'ai aussi pris les mauvais commentaires en considération, hein. Comme je l'ai dit, chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser. Mais honnêtement, je vais vraiment être sincère, hein. Je me contrefous en fait de ce que les gens pensent. Parce que la vérité, il n'y a que deux personnes qui la connaissent réellement. Et personnellement, je peux me regarder pleinement dans un miroir sans avoir absolument ma conscience qui est... Hein, qui est déséquilibré ou non, vraiment. Donc c'est pour ça que ce que les gens peuvent penser, comme ça, c'est comme si j'avais une tenue en latex et oh, ça glisse, ça, tout glisse, je m'en contrefous. Donc les gens, s'ils ont envie de me salir, de colporter, d'y croire, de eh ben mes grands bien leur fassent, si ces personnes-là n'ont malheureusement rien d'autre à faire de leur vie que de se consacrer à la vie des autres. De toute façon, ça les amis, c'est une leçon que vous pouvez tirer par vous-même. Les gens, il y aura toujours des gens sur Terre qui seront là pour regarder votre vie. Mais n'oubliez pas quelque chose les amis, c'est qu'on est toujours sali par plus sale que soi. Ça, c'est vraiment, c'est une phrase que Soso dit souvent et elle a raison, mais vraiment, c'est pour moi, c'est une phrase qui est philosophique parce que effectivement, on sera toujours sali par plus sale que soi. Donc voilà, à partir de là, je m'en fiche. Et puis maintenant, moi, je vais partir du principe. Vous voyez là, ça m'a vraiment servi de leçon ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je prends conscience que il faut que j'arrête d'être trop gentil, qu'il faut que j'arrête d'être bonne poire, qu'il faut que j'arrête de m'investir, qu'il faut que j'arrête de donner. Je vais imposer mes limites. Et si ça ne me convient pas moi, alors ça sera non. Voilà. C'est ça semble un peu méchant, mais en fait non, parce que vous avez été plusieurs à me le dire qu'il fallait que j'arrête d'être gentil. J'arrête d'être bête. Et désormais, les amis, lorsque vous avez une intuition, quand vous avez des ressentis, je vous en supplie, faites-moi en part. Hein, je vais pas vous disputer en vous disant de quoi tu te mêles. Non, non, au contraire, si vous sentez que je suis en train de vous parler d'un projet, puis que vous sentez que je m'apprête à faire une bêtise, mais dites-le moi, bon sang.
Non, n'ayez pas peur de me dire votre ressenti, je ne le prendrai pas mal, au contraire, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas juste des abonnés, vous n'êtes pas juste des souscripteurs, vous êtes ma communauté, on est un système, on est un groupe, on est une entité, on est une sorte de famille virtuelle, donc dans la famille, quand il y a des choses à dire, il faut le dire, donc quand vous sentez que je suis en train de m'égarer ou que je vais faire une bêtise, eh bien vous me le dites, vous me dites Jojo, là, ça, je le sens pas vraiment, moi je serais toi, je le fais pas, réfléchis, ou voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, ne culpabilisez pas, au contraire, sentez-vous libre, ça je vous l'ai toujours dit, je veux que vous soyez libre, cette chaîne c'est votre espace, c'est votre liberté, hein, sinon je ferai mes vidéos et puis j'enlèverai l'espace commentaire, je vous ferai les vidéos, ça vous plaît c'est bien, ça vous plaît pas vous zappez, non, si je vous mets l'espace commentaire, c'est pour vous justement, pour que vous ayez cette zone de discussion, pour pouvoir me dire les choses, donc ne vous sentez pas mal à l'aise de me dire, de me partager un ressenti, une intuition, etc. Ok ? Allez, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette semaine. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos.